tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo haul Beauty Luxe forcément, parce que c'est ma marque Love Love Love. Je vous avais promis une vidéo sur le catalogue Beauty Luxe. Elle arrive, mais franchement elle est un peu plus longue que ce que je pensais. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Je vais vous montrer, voilà. Je viens d'avoir mon colis Beauty Luxe. J'avais commencé à l'ouvrir et puis j'ai dit non, je vais attendre d'être avec tout le monde. Donc voilà, ben, je vais retourner la caméra, on va ouvrir les colis ensemble. Allez, à de suite. Donc voilà mon gros colis, je me suis armée de mes petits ciseaux de chez Action et on va continuer à ouvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, c'est une petite commande, donc je vais tout classer et je vous reprends après. Bon ben voilà, donc je vous ai tout classé, ce que j'ai acheté par catégorie. Déjà, je voulais juste vous montrer la petite carte qu'on reçoit avec la commande. Donc c'est la carte de la responsable France, donc Virginie. Vous pouvez livrer en France dans les DOM-TOM. Vous avez l'adresse du siège, vous avez son numéro de téléphone et l'adresse du site. Et aussi, voilà, école privée en art spécial dans l'onglerie. Donc vraiment, si vous cherchez une formation, je vous conseille l'école Beauty Luxe. Encore une fois, je vous le dis, je ne gagne rien à vous dire ça, mais juste, c'est ma conviction personnelle. J'ai déjà fait une formation à l'école Beauty Luxe et vraiment, 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 c'est des personnes passionnées, que ce soit Virginie parce qu'elle fait les formations ou que ce soit Cathy à Cannes qui fait les formations. Ce sont des passionnées, elles vivent vraiment ongles, elles vous transmettent une passion de l'ongle qui est juste dingue et elles savent de quoi elles parlent. Voilà, ce ne sont pas des formatrices au rabais, on va dire, qui vous feraient payer très 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 cher une formation qui ne va pas du tout. Voilà, parce que on sait que ça existe, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je peux vous dire que les deux formatrices-là, pour l'instant, il y a que deux formatrices. Ces deux formatrices-là, elles sont topissimes. Mais vraiment, 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 vraiment. Voilà. Donc, allez vous renseigner, vraiment. Elles prennent les aides aussi pour aider à financer les formations. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'école Beauty Luxe. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Donc, vous voyez, je vous ai tout ouvert. Comme ça, on ira plus vite. Au passage, je vais vous parler donc des produits. Donc, voilà. Là, c'est les Nail Art Stamping Gel, pardon. Donc, j'ai pris le 04, le 03 et le 04, pardon. Donc, le 03, c'est celui-là. Le 04, c'est celui-là. Donc, c'est un rose et un turquoise. Ils sont... alors, ce ne sont pas des gel paint, bien que ça s'en rapproche. C'est des gels pas que pour le stamping, ne croyez pas. Avec ces gels, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de nail art. Parce qu'ils sont ultra, mais ultra pigmentés. C'est-à-dire que vous le mettez sur une pointe de pinceau, ça va vous sortir un trait tellement fin, parce qu'ils sont très, très, très pigmentés. Voilà. Donc, vraiment, à essayer, parce que au début, je me disais, bof, du stamping, j'en fais pas. Mais je vous assure que pour faire des nail art, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, celui-là, je l'ai fait avec le noir. Voilà, donc j'en ai racheté deux. Ensuite, j'ai pris les Nail Art Lining Gel. Donc, ceux-là, c'est les Spider Gel. Hein.
Regardez-moi ça, ce spider gel argenté. Regardez-moi ces reflets, comme il est beau. Ils sont magnifiques. Vraiment, je vais vous gaver avec le « il est beau », mais faut dire ce qu'il y a. Hein. Ils sont... Voilà, c'est un spider gel. Je suis en train d'en mettre partout. Voilà, donc voilà le doré. Il est magnifique aussi. Vraiment, ils valent le coup. Hein. Donc voilà, donc le doré et le argenté. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos du site français. Si jamais il n'y a pas, ils n'y sont pas en ce moment et ils sont en rupture sur le site, je vous mettrai le nom exact et le numéro des couleurs. Donc le argenté c'est le 06 et le doré que j'ai pris c'est le 05. Voilà. Ensuite, on va passer à cette gamme-là. Alors ça, c'est ma gamme chouchou d'amour. C'est la gamme Platinum. Quand j'étais allée à la journée porte ouverte Beauty Luxe chez donc Virginie, je les avais vus en avant-première, on va dire. Je suis tombée amoureuse. Vraiment, clairement. Voilà. Donc, je les ai tous pris. Il y en a 12. Ben voilà, hein, du 1 au 12, ils y sont tous. Donc, je vais tous vous les ouvrir pour vous les montrer. Et vous montrer. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ils sont, mais juste sublimes. Et sublime, c'est encore pas assez. C'est encore pas assez. Ils sont. Pff. Donc celui-là, c'est le bleu. Donc celui-là, c'est le 07. Donc 01, 07. Si vous voulez les commander, ils sont placés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, comme ça, c'est plus simple pour vous. Mais je vous le dis au passage. Donc le doré, c'est le 02. Le 08, regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là comme il est beau. Je perds les yeux moi quand je vois ça. Le 03, donc c'est un rose gold. J'arrête de vous le dire, hein, mais je les aime tous d'amour. Hein. Le 09, regardez-moi ça. Cette couleur, la pigmentation du truc, quoi. Enfin. Le 04. Donc ça, c'est un rose, vraiment rose. Ah, j'ai pas ouvert celui-là. Mince. Bon, ben, on va l'ouvrir ensemble, c'est pas grave. Donc celui-là, c'est le 010. Oh là là, rien qu'à voir ce qu'il y a sur le pinceau. Sur le pinceau, sur le ciseau, j'ai décidé d'appeler ça un pinceau aujourd'hui. Oh, regardez-moi ça. C'est un fuchsia du coup. Magnifique, magnifique, magnifique. Le 05. Donc celui-là, c'est un violet parme. Il est vraiment très clair. Le 011, ça c'est un rouge rouge, karma même. Ça c'est un violet, donc un ton au-dessus de celui-là. Voilà, celui-là il est un peu rosé, celui-là il est vraiment violet. Et celui-là qui va faire fureur, je sens, pour les fêtes. Regardez-moi ça. Ils sont sublimissimes, mais vraiment sublimissimes. Voilà, donc je vous ai pris. Donc voilà, je vous fais des gros plans. Ils sont vraiment sublimes, vraiment, vraiment, vraiment superbes. Donc voilà pour les platinium.
Alors, les platiniums sont vraiment pour faire du nail art. Vous pouvez aussi, pardon, je vous dis du nail art, oui, et vous pouvez aussi vous en servir pour les mettre sur l'ongle comme un vernis. Hein. Voilà, ils sont so beautiful. Mais vraiment, 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 vraiment. Je les aime d'amour. Bon, je finis de fermer mes pots et je vous reprends. Donc, j'ai fini de fermer mes pots. J'ai fini d'acheter la gamme GN. Donc, j'avais déjà le 01, GN01 et GN02. Donc, j'ai acheté le GN03. Regardez-moi ça. Donc, GN, c'est parce qu'ils ont un reflet. Vous voyez, ils sont un peu irisés. Bon, alors, malheureusement, l'été est fini. Vivement l'été prochain, parce que celui-là, je vous dis, ils vont cartonner. Donc, j'ai pris GN03, GN04. Oh là là, je suis une fana de violet. Vous avez vu un peu ce violet irisé, magnifique. Donc, GN05, celui-là, donc c'est un bleu irisé aussi. Il est irisé un peu doré, mais très, très, très joli. C'est subtil en plus, c'est magnifique. Je suis sûre que mes clientes elles vont adorer. Et le GN06, c'est le vert. Oh, ils sont, en plus, ils sont bien peps. Vous voyez? Ils sont vraiment, vraiment bien peps. Ça va être sublime. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous voulez que je vous les présente, que je vous présente cette gamme-là. C'est possible. Voilà. Ensuite, j'ai continué dans mes couleurs. Il m'en manquait quelques-unes. Donc, j'ai pris le 01. Regardez-moi ce rouge. Oh là 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 là. Ça, à Noël, je sens que ça va faire un carton plein. Donc, c'est le 001. J'ai pris le 009. Voilà. Que dire sur le 009? C'est celui qui me déçoit le plus. Je vous ai dit, moi, je suis honnête. C'est pas parce que je travaille avec cette marque que je vous dirais que tout est sublime. Celui-ci, ouais, bof. Il fait un peu trop marron. Je le pensais vraiment bordeaux et il fait un peu trop marron. Après, ça se rattrape, hein, en faisant des mélanges et tout ça. Je le rattraperai, vous en faites pas. Mais voilà, le 009, je suis un peu déçue. Celui-là, donc c'est le 015. Il est magnifique. Est-ce que vous voyez cette pigmentation? Mais vraiment, ils sont sublimes. Donc voilà. Le 029. Regardez-moi ce bleu. Je cherche un bleu clin. Je ne sais pas si vous connaissez. Allez voir sur Google si vous ne connaissez pas le bleu clin. Ben, je crois qu'on y est vraiment, vraiment quoi. On y est pas mal, pas mal du tout même. Donc, c'est le 029, celui-là. Le 046, c'est un vert fluo. Très joli aussi. Il ressemble au GN6. Le 048, donc c'est un vert aussi. Celui-là, il est plus pomme, plus encore plus fluo, j'ai envie de dire. Voilà, très joli, très très sympa. Ça, l'été, ça cartonne. Hein. Là, bon, bah, c'est un peu trop tard, l'été est passé, mais ça cartonne. Hein. Le 049, donc ça, c'est un jaune fluo aussi. Je suis dans le fluo, moi. Hein. J'aime les paillettes, le fluo, je suis une vraie fille. Donc, le 049, le 050, donc ça, c'est un jaune jaune. Très très beau. Le 055. Donc c'est un joli orange fluo. Magnifique aussi. Les VSP Beauty Luxe, ils sont tellement pigmentés. Moi, je m'en sers aussi pour faire du nail art avec.
Voilà, donc n'hésitez pas à essayer, hein. Certains sont tellement beaux. Non, celui-là, on va le garder pour après. Ensuite, donc j'ai pris ça. Donc ça, c'est la Rubber Base Tic. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Donc c'est vraiment une base très épaisse. On dirait du gel. D'ailleurs, on peut faire des petits comblages en gel avec. Hein. Voilà. Moi, je me permets de le faire. Donc, voilà. Vous avez la Rubber Base Reinforcing Clear. Donc, celles-là, pareil, elles sont magnifiques. Enfin, elles sont magnifiques. Elles n'ont pas de couleur. Hein, mais pour faire des gainages VSP, elles sont juste parfaites. Elles se tiennent. Regardez, elles ne coulent pas. Forcément, si je reste comme ça, au bout d'un moment, ça va couler, mais vraiment, elles sont superbes. Voilà. Au niveau de la chauffe, je ne sais pas encore. Je viens de les recevoir. Je les essayerai et je vous dirai ça. Si vous voulez aussi une revue dessus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous la ferai avec grand plaisir. C'est vrai que je les avais ouvertes. Pierre-Richard, le retour. Donc voilà, le Rubber Top Coat No Wipe, rien à dire, il est parfait. Il se tient vraiment bien, il s'auto-égalise, donc pas de bosse, pas de creux, pas de... Les filles, je vous l'ai toujours dit, et les garçons, pardon, je vous l'ai toujours dit, quand vous faites, vous mettez vos finitions, vous regardez vos fils de lumière, ils doivent être impeccables, ça doit vraiment faire un trait comme ça, vous voyez? Et ça ne doit pas faire de bosse, de creux ou je ne sais quoi. Et celle-là, elle vous permet que ça se fasse très facilement. Ensuite, j'ai pris, donc bah, pareil, les bébés, donc 0,1, 0,2, 0,3. Le 0,4 et le 0,6, je l'ai déjà. Pareil, si vous souhaitez une revue sur ça, de toute façon, je pense qu'elle va arriver. Vous me la demandez en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc les bébés, c'est des bases de couleurs, pardon. Donc ça va du blanc laiteux et ça fait toutes les couleurs. Donc il y a rosé, plus ou moins. Donc ça, c'est le blanc laiteux pour le 01. Et elles sont d'une... C'est une base semi-permanente. Hein. Elles sont elles sont costauds. C'est un truc de dingue. Moi, je la mets en gainage sur beaucoup de clientes et des clientes qui travaillent beaucoup avec leurs mains, aide à la personne, coiffeuse, restauratrice, tout ça. Moi aussi, hein, ça, tout ça, là, c'est ça. Et elle ne bouge pas, voilà. Donc, après, vous avez la 02. Donc, vous voyez, elle est un peu plus, non, elle est abricot, hein, plus abricot que rose. Donc le 03, pareil, elle est un petit peu plus claire que l'autre, mais elle est aussi abricot. J'adore. La 04 et la 06, je l'ai là-bas. Et voilà la 05. Et je crois que la 05, c'est vraiment ma préférée. Ça, pour du baby boomer, vous prenez ça et ça. Juste par. Voilà, donc très amoureuse aussi de ça. Par contre, celles-là, je les ai testées, donc il faut faire attention. Elles chauffent un petit peu. Si vous mettez vos lampes en low, donc en plus doucement, ça va. Franchement, c'est gérable. Ensuite, j'ai pris deux gros pots de gel. Donc, j'ai pris le 01 et le 12. Donc, le 01, c'est un clear. Hop. Donc voilà, rien de foufou, mais vous voyez qu'ils sont bien remplis. Ils se tiennent bien quand même. Hein, ils sont semi-épais, mais auto-égalisants. Ne mettez pas les lampes à fond quand vous faites des remplissages ou des rallongements, les filles. Mettez-les en low, le temps que vous catalysez une main, que vous faites l'autre doigt.
et ainsi de suite. Et après, vous laissez les deux mains 60 secondes de chaque côté. Ça suffit largement, les filles. Il n'y a pas besoin de brûler les clientes en les mettant direct à 60 en pleine puissance. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Et j'ai pris donc le 012. Il est magnifique. Celui-là, je sens que ça va devenir mon chouchou. Voilà. Donc, j'ai le 04 que j'aime d'amour, mais il est plus dans les abricots. Et pour le rose, celui-là, je le trouve sublime. Il est vraiment très, très, très joli. De toute façon, ceux-là, doucement, doucement, je vais tous me les procurer aussi. Comme ça, vous aurez... je vous les mettrai tous en randonnion pour que vous ayez toutes les couleurs en vrai, on va dire, que vous puissiez les voir en vrai. Et donc celui-là, c'est le AC10. Donc c'est un qui me manquait. J'avais les AC, c'était les couleurs d'automne. Donc je les ai de 1 à 12, AC01 à 12. Et là, grosse catastrophe, Beautylux a sorti les AC, donc de 0001 à 120. Voilà. Donc, je suis en train de voir pour les acheter. Donc, promis, dès que je les reçois, pareil, je vous refais un haul. Je vous montre toutes les couleurs. Bon, là, je vous montre la 10, du coup, en avant-première. C'est un joli moutarde. Regardez-moi cette couleur. J'adore. Vous pouvez faire des trucs sublimes avec ça. Sublissime. En plus, c'était les couleurs d'automne. Donc, clairement, on était parfait, quoi. C'était dans le thème, hein. Voilà, donc ça, c'est une des nouvelles couleurs en avant-première. Et je vous ai dit, j'ai les 120 qui devraient arriver. Je suis en train de voir avec ma responsable. Voilà, voilà, les filles. J'espère que ce haul vous aura plu. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que ça fait un petit moment quand même que je parle toute seule. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Là, pendant le confinement, en plus, je fais 2 lives par semaine avec soit des copines de chez Beautylux, d'autres ambassadrices, tout ça. Soit toute seule, soit... voilà, ça dépend. On fait des lives blabla, on fait des lives où on fait des nail art. Je vous montre les derniers nail art qu'on a fait. C'était ceux-là, avec Audrey d'ailleurs, qui est de Savoie. On s'est éclaté. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, elles sont en IGTV. Si vous voulez rigoler, venez me suivre, je vous assure. C'est un moment de poilade. Voilà. Je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, n'oubliez pas les codes promo, ils sont en barre d'infos et voilà, je vous laisse très vite parce que je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Bisous bisous les filles, ciao ciao, à bientôt.